Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que
l'insultait à tout moment. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau sur lequel ils avaient des marchandises venait d'arriver sans encombre. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses deux aînés, qui pensaient qu'enfin elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas à acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui demanda son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car on n'en trouve point ici. » Ce n'est pas que la belle se soucia d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit. Mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 miles à parcourir avant d'arriver à sa maison. Et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent soufflait si fort qu'il le jeta deux fois à bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par des loups qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière venait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans. Ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même: le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable, mais 11 heures ayant sonné sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coupes de vin. Devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout gâté. Assurément, pensa-t-il, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il entra dans la grande salle où il y avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Je vous remercie, madame la fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs.
Ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre
redire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais, et sa sœur en était charmée parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver au pied de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il était résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était devenu quelque gentilhomme pour son absence, qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car la belle était si bonne qu'elle aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais et sur le soir, ils l'aperçurent illuminée comme la première fois. Le cheval alla tout seul à l'écurie. Et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais la belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit. Puis elle se dit en elle-même, « La bête veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait faire si bonne chair. » Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit. Le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais elle se rassura de son mieux, et le monstre, lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, lui dit la bête, et je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu la belle. » Adieu la bête, répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira. Ah, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. Non, mon père, lui dit la belle avec fermeté, vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Aura-t-il pitié de moi ? Ils allèrent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera pas sans récompense. » La belle, s'éveillant, raconta ce songe à son père. Et, quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point se chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre. Car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté, mais elle fut bien prise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, » dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite, « Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas ainsi pourvu. » Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or, « Souhaitez commander. » Vous êtes ici la reine et la maîtresse.
hélas, dit-elle en soupirant. Je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elle avait de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre. À midi, elle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert. Quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. La belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ? Vous êtes le maître, répondit la belle en tremblant. Non, reprit la bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais que je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir pas d'esprit. Un sot n'a jamais eu cela. Mangez donc, la belle, dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle, je vous assure que je suis contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, répondit la bête, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en refusant sa proposition. Elle lui dit enfin en tremblant « Non, la bête !» Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer et il fit un sifflement si épouvantable que le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête lui en dit tristement « Adieu donc, la belle !» sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. Belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite et parlait avec elle pendant le souper. Avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur. Et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent sa montre. Voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme et paraissait pénétrée de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle lui dit un jour « Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. » Serai toujours votre ami, tâchez de vous contenter de cela. Il le faut bien, reprit la bête, je me rends justice.
Je sais que je suis horrible, mais je vous aime beaucoup. Aussi, je suis trop heureux de ce que vous vouliez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. Je pourrais bien vous promettre de ne vous jamais quitter tout à fait, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrais de douleur si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez et votre pauvre bête en mourra de douleur. Non, lui dit la belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Acceptez que je reste chez lui 1 semaine. Vous y serez demain au matin, dit la bête. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Adieu, la belle. La bête soupira selon sa coutume en disant ces mots, et la belle se coucha toute triste de l'avoir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette qui était à côté du lit, elle vit venir la servante qui poussa un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille, et ils se tinrent embrassés plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever. Mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes d'or garnies de diamants. Belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de ranger les autres dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle, et aussitôt les robes et le coffre revinrent à la même place. La belle s'habilla, et pendant ce temps, on alla avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux fort malheureuses. L'aînée avait épousé un jeune gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, à commencer par sa femme. Les sœurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Rien ne put étouffer leur jalousie qui augmenta lorsque la belle leur eut conté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer, tout à leur aise, et elles se disaient « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ?»« Ma sœur, dit l'aînée, il me vient une pensée. Tâchons de l'arrêter ici plus de 8 jours. » Sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de paroles, et peut-être qu'elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Nous ferons tout pour la retenir ici. Et ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux, feignirent tellement d'être affligées de son départ que la belle promit de rester encore 8 jours. Cependant, belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête qu'elle aimait de tout son cœur. Elle s'ennuyait aussi de ne plus la voir. La 10e nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, dit-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit
l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. » À ces mots, Belle se lève, met sa bague sur la table et revient se coucher. À peine vut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne parut point. La belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant, elle trouva la pauvre bête étendue, sans connaissance, et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps, sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore. Elle prit de l'eau dans le canal et lui jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle : « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. » « Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle. Vous vivez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous, hélas. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir. » À peine la belle eut-elle prononcé ces paroles qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais toutes ces beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête dont l'état faisait frémir. Qu'elle ne vut pas sa surprise, la bête avait disparu. Et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour qui la remerciait d'avoir rompu son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser. Et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. » Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. En vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que j'ai pour vous. » La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château et la belle manqua à mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transporté au château. Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de la belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre Belmerita qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse. Mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu. Voilà, j'espère que cette histoire qui est quand même assez longue vous aura plu et détendu.